Wesh 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 les petits loués loulous, ta vidéo. Alors, je vais vous expliquer, je vais juste répéter ce que j'ai appris. Grâce à Étienne Chouard, qui est un monsieur fantastique, que tout le monde devrait écouter, mais qui, dans une des vidéos, un peu dit, j'ai l'impression de me répéter, j'ai tout dit et tout ça. Et donc je pensais que de redire ce qu'il dit, ça peut amener plus d'intérêt pour Étienne Chouard. Étienne Chouard qui explique que toutes les banques devraient être en faillite frauduleuse. Et je vais vous expliquer par quel principe. Les banques prêtent plus de pognon qu'elles n'en ont. Avec 10 000 euros, une banque a le droit de prêter jusqu'à 80 000 euros. Ce qui fait que si vous retirez 10 000 euros de votre banque, pour eux, ça fait 80 000 euros en moins. Et le principe de cette création monétaire à partir de rien, qui s'appelle création monétaire ex nihilo, est donc est basé sur la pyramide de Ponzi qui avait été inventée par un monsieur qui s'appelait Ponzi, la même qu'avait mis en place Bernard Madoff, qui est décédé il y a un ou deux mois, qui est tombé, entre guillemets, lors du crash donc de la Lehman's Brothers en 2008. Voilà. Donc, ça veut dire... À l'heure actuelle, au niveau économique, on a un nombre de faillites incroyables. Les composants qui viennent de Chine n'arrivent plus jusqu'à chez nous. Et tout ce qui est industrie qui a besoin de ces composants électroniques est au stand-by. Donc je le redis, on est à l'aube d'un bank crash. Ça fait un moment que je le dis, Étienne Chouard l'explique aussi dans une des vidéos qui a été diffusée sur la chaîne YouTube La Mutinerie. Donc Didier Lagasse de l'Ost, à qui je passe un coucou, l'a remis en place autrement. Donc il explique qu'il serait très intelligent de la part de tout le monde d'apprendre à pouvoir échanger en cas de crash du système monétaire mondial. Et donc il faut s'intéresser à la monnaie libre, la june. Jusqu'à présent, j'ai pas eu le temps. C'est assez compliqué. Je suis aussi isolé. Dans les prochains temps, parce que c'est pas demain la veille qu'on va proposer un taf dans tous les boulots. Qui sont les miens? Moniteur auto-école, major de promo en mécanique auto, 98 AFPA de Strasbourg du Rudy Cours de Garde, informaticien, technicien supérieur en informatique de gestion depuis 2002 au même endroit. Qu'il y a de plus. Le vendredi. Vendredi, c'est le jour des radars. Alors, c'est Éric Zemmour qui a dit que s'il était élu président, il supprimerait le permis à point. Et je reprends Éric Zemmour qui dit que c'est du racket organisé. Pas moi. Moi, j'ai rien dit. Pas moi, parce que moi, je flippe un peu. J'ai envie de me faire internet. Allez. Attention, le vieux. Il va avoir 60 ans en 2022. Il est né un jour du canard. Philippe Stocker.